Bonjour, bienvenue dans ce cours enfant. Je m'appelle Dany, je suis professeur de Kung Fu au Cercle de la Forme de Cherche Midi et de Tolbiac. Et aujourd'hui, ce cours enfant est destiné à tous les enfants âgés à partir de 4 ans jusqu'à 12-14 ans. Pour les plus jeunes, pensez à être accompagné de parents. Et aujourd'hui, le matériel qu'il faudra, c'est trois objets quelconques, de n'importe quelle taille. Et il vous faudra également une petite bouteille d'eau. Donc, gardez ça pas très loin. Faites attention à avoir de l'espace autour de vous. Donc, pour les débutants, n'oubliez pas, le Kung Fu est vraiment un art martial qui fait travailler la souplesse, l'endurance, etc. Mais faites attention quand même autour de vous. Il ne faut pas qu'il y ait d'objets que vous pourriez casser. D'accord? Donc, pour les toutes nouvelles personnes qui ne connaissent pas le Kung Fu est un art martial chinois. Donc, la tenue à avoir est du noir. Donc, si vous pouvez avoir du noir, tant mieux. Sinon, faites juste attention à ne pas faire le cours pieds nus, en chaussettes, pardon. Faites le cours pieds nus pour ne pas glisser. Donc, mettez les objets et la bouteille d'eau sur le côté. On va commencer par le traditionnel salut. Les pieds collés, un poing fermé, une main ouverte. On salue. Ok, commence à sautiller sur place. Commence à sautiller sur place. Et le programme d'aujourd'hui est qu'on va travailler un peu de base. On va travailler le coup de pied latéral. Et surtout, on va travailler une routine. D'accord? On va faire des petits levées de genoux. Petits levées de genoux. Alors bien sûr, je le fais sur place, mais si vous avez la possibilité, faites-le en vous déplaçant. Si vous avez de l'espace autour de vous, faites-le en vous déplaçant. On va maintenant faire des talons-fesses. On va faire des talons-fesses. Très bien. Et on va faire des pas chassés. Alors attention, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, faites-moi des pas chassés où on utilise les bras en même temps, mais vous me le faites sur place. Si vous avez de la place, faites-le d'un côté et de l'autre. D'accord? Allez-y, go! Pas chasser, d'un côté et de l'autre. Si vous n'avez pas d'espace, on fait ça sur place, mais on rajoute les bras. Très bien. On va faire la même chose, mais à chaque fois que je compte, on touche le sol avec les deux mains et on se redresse. D'accord? Je fais les deux options, comme ça tout le monde voit. Un, on touche. 2. Touchez bien avec les deux mains. Pliez bien vos jambes. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, on revient sur place. Vous avez vu comment on est descendu ici, on va faire la même chose, on fait 10 sur place. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on ressautille. Cette fois-ci, quand je compte, on saute. D'accord? Sautez le plus haut possible et si vous pouvez, on cherche à tendre les bras au ciel. On essaie de toucher le plafond. D'accord? On se tire. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, et à l'arrière, plus haut, 10. Ok, on se met en équilibre sur une jambe, on lève le genou qui est levé, on maintient la position, on tourne les poignets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on change de jambe, on tourne les poignets dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les mains sur les hanches, on tourne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, très bien, on fait dans l'autre sens, faites-moi des grands cercles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tourne le bras en arrière,
Pensez à chaque fois bien toucher l'oreille avec le bras, d'accord? Le bras tendu, 1, 2, 3, pas trop vite, 4, 5, 6, 7, 8, dans l'autre sens, 1, on touche l'oreille à chaque fois, ne faites pas ça avec la tête, c'est le bras qui vient au niveau de l'oreille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, l'autre bras, la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va mettre les poings fermés au niveau de la ceinture, donc n'oubliez pas, comme on ferme le poing, on ferme d'abord les doigts et on rajoute le pouce après, pas le pouce, puis les doigts et après le pouce, les poings tirés en arrière, la tête de haut en bas, on vient faire oui avec la tête, 1, 2, 3, 4, 5, de gauche à droite, on dit non, voilà, très bien, 2, 3, 4, 5, 6, on fait des tours avec la tête, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, et 5, ok, prenez-moi vos deux objets. J'en ai demandé 3, mais là pour l'instant, prenez-en que 2. Un à côté, un de l'autre. Et faites attention, il ne faut pas qu'à côté de l'objet, il y ait un mur ou un autre objet que vous pourrez casser. Okay, donc faites bien attention. On met les deux objets ici. Alors si vous avez un objet de grande taille, faites attention parce qu'il va falloir sauter par-dessus l'objet en question. Okay, donc vous avez vos deux objets. Premier exercice, on va partir au milieu. On fait des levées de genoux. On saute au-dessus du premier objet, on se met sur le ventre, on se remet debout, on saute, levée de genoux, on saute au-dessus de l'autre objet, et on descend, on touche le sol. Ok, donc là on touche le sol, et ici on se met à plat ventre. Vous êtes prêts? Commencez où vous voulez, 3, 2, 1, go! Sur le ventre, on saute les deux pieds en même temps, levez de genoux entre les deux objets. On saute à nouveau et là on descend. On touche le sol. On saute. Levez bien les deux pieds en même temps. Ne faites pas comme ça. On lève les deux pieds en même temps. Et le corps au sol. On repasse de l'autre côté. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez juste moins de levée de genoux entre les deux objets. Je vais espacer. Levé de genoux, on saute, on touche le sol. Allez, encore 10 secondes. On saute. Ah. Et top! Ok, gardez les deux objets là où ils sont. Exercice suivant, on va partir du premier objet. Quatre pattes. Arrivez devant le deuxième objet, on fait les quatre pattes, mais en arrière. Et ici, on fait deux sauts. Un, deux, et on repart. Vous êtes prêts? 3 secondes, on part. 3, 2, 1. Allez, go, quatre pattes. On fait le tour. Et on part en arrière. On part en arrière et ici on fait deux sauts. On se redresse. 1, 2, et on repart. Passez bien autour des objets. Faites bien un grand tour. 1, 2. Pour ceux qui connaissent le nom animal, criez-le fort chez vous, pas trop fort. C'est le singe. Très bien. Pour ceux qui s'en souviennent. Ou ceux qui l'ont deviné. Encore 10 secondes. Est-ce que j'ai le temps de faire un deuxième tour? Vite, vite, vite. 5 secondes. Hop. Tape, relâchez. Relâchez. Ici, on descend. Pour ceux qui connaissent déjà, une main derrière,
une main devant, pour ceux qui arrivent bien, sans les mains. Mais attention, je vais voir les deux talons posés au sol, d'accord? On va garder les deux objets pas loin. Changer de jambe. Une main devant, une main derrière. Pour les plus souples, sans les mains. Et les deux talons au sol. L'autre jambe. L'autre jambe. Je compte, on va aller plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'assoit, plie une jambe, l'autre jambe tendue, on attrape le pied devant avec les deux mains, je compte, on descend la tête vers la jambe qui est tendue. Attrapez bien avec les deux mains. Si vous n'y arrivez pas, allez chercher le plus loin possible. Mais c'est important d'avoir les deux mains et pas une seule main. Ok ? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre jambe. La même chose avec l'autre jambe. Les deux mains sur le pied devant. Le plus loin possible en tout cas. Et quand je compte, on descend. 1, 2, allez, plus bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre jambe. Cette fois-ci, 3 comptes. 1, on attrape le pied. 2, on met les mains devant. On se penche. Et 3, on tourne et on regarde bien derrière avec la tête et le regard. Vous êtes prêts? En même temps que moi, pas plus vite, attention. Et 1, 2, 3. 1, 2, on se penche. 3, on regarde derrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, et 3. L'autre jambe, on fait la même chose. Donc, je rappelle, deux mains sur le pied, on se penche. Et 3, on regarde bien derrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, et 3. Ok, les deux pieds joints. Donc, les deux jambes collées. Faites attention à garder les jambes tendues. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec les deux mains, on va dépasser les pieds. Mais attention à ne pas plier les jambes. Si vous pliez les jambes, c'est pas bon. Donc, on garde les jambes tendues. On va chercher loin avec les bras et on revient. 1, 2, 3. Allez le plus loin possible avec les mains. 4. 5, encore plus loin. 6, 7, ne pliez pas les jambes. 8, 9, 10, on attrape les pieds. Ceux qui ne peuvent pas, on attrape les chevilles. Ou un peu moins loin. Attrapez le plus loin possible. Et je compte, on descend la tête vers les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, avant d'aller boire, on finit sur le papillon. On attrape les pieds, on écarte les genoux vers l'extérieur. Ok, quand je vais compter, on descend la tête vers les pieds. D'accord ? 1. Et on se redresse bien le dos droit. 2. 3. 4. 5, 6, 7, jusqu'à 9, 8, jusqu'à 10 en fait, 9, et une dernière, 10. Ok, redressez-vous, allez boire rapidement, gardez-moi les deux objets en place. Buvez un petit peu, j'espère que vous avez de l'eau, si vous n'avez pas d'eau, allez vite en chercher. Ok, revenez vite, j'explique l'exercice suivant. Donc, est-ce que ça vous parle si je vous dis canard ou grenouille? Ah,
Ben, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui reconnaissent et qui disent non, pas le canard. Ou à l'inverse, qui aiment beaucoup le canard. Donc, le canard et la grenouille, c'est quoi? C'est des exercices qui font travailler les jambes. Je vais vous montrer le canard. Donc, si vous vous en souvenez, faites-moi un aller-retour du canard. Pour voir si on est tous d'accord. Et le canard, on descend. Les talons ne touchent pas le sol. Et on avance. Toujours en face. Jamais en arrière. Hein, sauf si je vous le dis. Donc, ça, c'était le canard. Super cool. Maintenant, on va travailler la grenouille. C'est quoi la grenouille? Même position. On a les mains au sol. Et on va essayer de sauter le plus loin possible. Mais sans se redresser. C'est-à-dire qu'on est ici. Hop. Et on saute devant. Pareil, toujours le faire en avançant et pas en arrière. Donc, on est ici. Les mains au sol et on saute loin. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant du canard et de la grenouille? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour. On va faire le premier aller en canard. Ici, on va faire deux pompes. Ah ah, les pompes. Ici, on pose le corps, on remonte, on pose le corps, on remonte. Ça, c'est des pompes. Je veux pas avoir des semi-pompes. Pense à bien poser le corps. Ceux qui veulent, on peut lever les bras. On remonte. On se redresse. Et grenouille. On va sur le deuxième objet. Hop. Une fois qu'on est ici, on refait deux pompes. Ah oui. Ça va être très physique. Je veux au maximum 4 tours. Si vous avez beaucoup d'espace, faites-moi 3 tours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Canard, tout. 2 pompes, grenouille, 2 pompes. Ok? Vous faites en même temps que moi de toute façon. On est prêt, on commence par le canard. Allez, go! Canard. Tchoup. J'arrive au deuxième objet. Je fais mes 2 pompes. 1, 2, je pose bien le corps au sol. Et là, je me prépare pour la grenouille. Yop. Faites-moi un grand bond. Hein. Vous avez vu, moi, je l'ai fait en un seul bond. On fait les 2 pompes. 1, 2, canard. Allez, go. 2 pompes. 1, 2, grenouille. Grand saut. Et les 2 pompes, 1, 2, les enfants en même temps que moi, sauf si vous êtes plus rapide, c'est bien, allez, 2 pompes, 1, 2, la grenouille, les 2 pompes, 1, 2, je sais plus à combien on est, je crois que c'est notre troisième, allez, go, on en fait 4, 1, 2, grenouille, grand bond. 2 pompes. Et il nous reste un dernier tour. Allez, le canard. Les 2 pompes. Et la grenouille. Relâchez. C'est bien. Relâchez un petit peu. Ok, relâchez. Point ceinture. Coup de poing devant. Ok, le poing est à l'horizontale. Donc comme ceci, pas comme ceci. On n'oublie pas enfin d'avoir les doigts, puis le pouce. Je compte, coup de poing devant. Les pieds écartés, mais pas trop non plus, sous les épaules. 1, 2, 3, 4, 5. Plus fort le coup de poing, sinon on refait des pompes. 6, 7, 8, 9, 10. C'était pas assez fort, hein? Ok? Refaites le plus fort. Encore une fois, on fait 5 coups de poing seulement. 1, 2, 3, 4, 5. Position pompe. On fait 5 pompes. C'était pas assez fort, j'en suis sûr. On est en position. Et 1, 2, 3, 4, 5. On se remet debout. Même chose pour les coups de poing. Je compte. On fait 2 coups de poing. 1, 2. Revenez bien en arrière. On pense derrière à mettre un coup de coude. Ok? 1, 2. 2 coups de poing, d'accord? 3, 4, 5, 6,
7, plus fort, 8, c'est bien, 9, 10, ok, on relâche un peu les bras, on va refaire les 5 pompes, oui, on va travailler les bras un petit peu, on n'a pas fait les bras depuis le début, allez, position pompe, 5 pompes, 1, 2, descendez bien, 3, 4, 5, ok, debout. Prochaine technique, on va travailler sur le coup de poing, mais à la verticale. Donc, pas à l'horizontale, mais à la verticale. Le poing dans l'autre sens, comme si on voulait montrer un pouce. Mais on range le pouce. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte, on fait deux coups de poing. Pensez à les faire fort. Ok? 1, 2, 3, 4. Plus fort encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche un peu les bras, on va faire les jambes. Faites-moi tous la position cavalier. Donc là, je parle pour les avancés. Ceux qui connaissent, faites la position cavalier. Pour les plus débutants, la position cavalier, qu'est-ce que c'est? C'est comme un squat, mais avec les jambes un peu plus écartées. Donc on est là, pieds joints, on ouvre. 1, 2, 3, 4. Et là, normalement, vous avez l'écartement nécessaire pour faire ce qu'on appelle la position cavalier. Une des premières positions au Kung Fu. Donc, les pieds au sol face à face, attention à ne pas avoir les genoux. Comme ça, on ouvre les genoux vers l'extérieur. En ceinture. Et on va faire un coup de poing sur le côté. Le coup de poing à l'horizontale. Comme ça. 1, l'autre côté. 2, l'autre côté. Regardez bien dans la direction du coup de poing. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est ici, on relâche, cette fois-ci on va tourner, là. La jambe derrière est pliée, c'est la position dragon. Ok, on va faire la position arc et flèche juste après. Là, on va d'abord plier les jambes, position dragon, et on tourne de l'autre côté. Les deux jambes sont pliées et le talon est levé derrière. Les mains devant, on relâche. 1, on tourne de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, descendez bien, 6, c'est bien si ça brûle un peu les jambes, c'est normal, 7, 8, 9, une dernière, 10, on relâche un peu les jambes, donc on a vu position cavalier, position dragon, et il nous manque la position arc et flèche. Donc pour ceux qui connaissent la position arc et flèche, faites-la. Dites-moi si la mienne est bien. Il faut que la jambe de devant soit pliée, jambe de derrière tendue, et le talon au sol. Attention à ne pas lever le talon. C'est l'inverse de la position dragon. D'accord? La position dragon, la jambe de derrière, elle est pliée. Position arc et flèche, la jambe de derrière est tendue. Ok? On fait ça, on est bas côté, je compte, on passe de l'autre. 1, 2, les poings fermés, 3, 4, et vous avez vu quand on repasse au milieu, pour les plus avancés, on peut faire cavalier, on tourne, 5, 6, la jambe de derrière tendue, 7, 8, jusqu'à 10, 9, et on va boire, 10, ok, relâchez. Allez boire un petit peu, on salue. Alors, on a vu trois positions. Cavalier, dragon, arc et flèche. On essaie de s'en souvenir. Je vais un peu. Les deux objets, on va les enlever, d'accord? On n'a plus besoin. Et on va voir un peu les coups de pied. Alors,
Vous avez eu le temps de boire. En place, face à moi, salut. Ok, là en équilibre, on lève les jambes. Et coup de pied. On pose. On lève le jambe. Coup de pied. On n'oublie pas. On plie le genou. On frappe. On plie. On ramène. D'accord? Levez bien le genou d'abord. Parce que si le genou est levé ici, forcément le coup de pied il va pas être très haut. Alors que si vous allez le lever haut, le coup de pied il va être plus haut. D'accord? On en garde. On ne descend pas. On relâche les jambes. Je compte et on fait un coup de pied. N'importe quelle jambe devant. De toute façon, vous allez alterner. 1, 2, les deux mains ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Ça, c'était le coup de pied droit. Ok, on va travailler aujourd'hui sur le coup de pied latéral. Pourquoi? Parce que le coup de pied droit, on l'a déjà pas mal travaillé. On va travailler sur le coup de pied latéral. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va lever le genou devant. Mais on va pas frapper ici, on va frapper là-bas. Et on va pousser. Ok? C'est comme le coup de poing qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez le coup de poing à l'horizontale, comme ça. Et vous avez le coup de poing à la verticale. C'est la même chose. Coup de pied vertical. Et là, maintenant, je veux que le coup de pied latéral soit à l'horizontale. Donc, le pied, regardez. Le pied est comme ça. Pas comme ça. On lève le genou devant, on pousse. On fait l'autre jambe, 1, on pousse. 2, on lève, on pousse. 3, on lève, 4, on pousse. Et regardez là où vous frappez. C'est comme les coups de poing de tout à l'heure, on regarde là où on frappe. 4, 5, on lève devant, on pousse sur le côté. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça va pour le coup de pied, on va le refaire un petit peu. Cette fois-ci, on va rajouter un déplacement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va être ici, on va passer les pieds derrière. Et c'est la jambe de devant qui va frapper. On va tous faire la même jambe. Vous allez tous frapper avec la jambe droite. D'accord? La jambe gauche, on passe derrière, hop, et on frappe avec la jambe qui est restée devant. On lève, on frappe. On pose, position cavalier. On revient au milieu, la même chose. 1, 2, on frappe, position cavalier. Encore une fois, 1, le pied derrière, 2, on frappe, position cavalier. Une dernière et on fait l'autre côté. Le pied derrière. Les deux jambes sont pliées, et on lève, on pousse, et on descend en position de cavalier. Ok, on fait l'autre côté, on reste ici. Donc le pied droit passe derrière, la jambe qui est devant, on la lève, on frappe, on descend. Très bien. Encore une fois. 1, 2, oui, encore une fois. Pied derrière. On lève le pied devant, on frappe, on pousse, encore une fois, 1, on lève, on frappe, on pose, une dernière, faites attention au pied à l'horizontale, 1, 2, on pose, ok, relâchez, relâchez, on va faire un peu de technique de bras, on travaille le blocage, ok, donc, on imagine qu'on reçoit un coup de poing, on bloque. Les mains ici, un peu comme un canard. Doigts collés au pouce. Okay. Et là, on attrape, hop, on dégage sur le côté. 1, 2, 3, 4. On essaie d'avoir l'autre bras au niveau de la ceinture. Si c'est un peu trop compliqué pour les débutants, c'est pas grave. D'accord? Mais pour les plus avancés, faites attention. Dès qu'on bloque, l'autre main revient ici à la ceinture. Et on inverse. On refait encore une fois. 1, 2, 3. Le bras est tendu. 4. Le bras tout droit, allez-y. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ah, ok, très bien. Ça suffit pour cette technique de bras. Donc, vous allez voir qu'on va travailler la routine après. Vous allez retrouver tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On va travailler quoi maintenant? On va travailler le coup de poing en position dragon. Donc, position dragon, vous vous souvenez, on est ici. Okay. Tout à l'heure, on faisait le coup de poing en position cavalier. Maintenant, on va le faire en position dragon. Donc, quand on va tourner, on va frapper avec un bras. On essaie de frapper avec le bras qui est opposé à la jambe. Ok? On essaie de frapper avec l'autre bras. C'est-à-dire qu'on va pas être comme ça. Ok? Ça fait un peu danse bizarre. Donc là, ici, on frappe avec l'autre bras. Ok? Allez, un. On essaie. Deux. Trois. On tourne. La jambe de derrière bien pliée, n'oubliez pas. Quatre. Cinq. Ok, petite correction. Donc déjà, n'oubliez pas, on frappe avec le bras opposé à la jambe, si c'est possible, hein, essayez de le faire. Aussi, on frappe pas avec le coup de poing à l'horizontale, on frappe avec le coup de poing à la verticale. Juste pour celui-là, hein, juste pour le coup de poing en position dragon. Encore une fois, donc on travaille avec les corrections. Un, bam, deux, l'autre côté. Trois, plus fort le coup de poing, allez-y. Hein. Quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 10. Ok, les jambes travaillent pas mal, donc on va faire un peu plus de pompes. C'était pas assez pour les coups de poing, j'en suis sûr. Donc, on va faire 5 pompes. On se met en position. On descend. 1, on remonte. 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. On va commencer à travailler la petite routine, on va faire petit à petit. Donc, on va commencer par le salut. On salue. On va décaler le pied droit et se mettre en position cavalier. Et en même temps, vous allez me faire un coup de poing devant. Bam. Avec le bras droit. Même bras, même jambe. Encore une fois. 1. Et là, on tourne, position dragon, et on frappe par là-bas. Du coup, avec la main gauche. 1, position dragon. 2, on fait pareil de l'autre côté. Ok? On reprend. On salue, point ceinture. 1, 2, 3. Super. Donc, regardez-moi bien. Au début, cavalier, coup de poing. Et là, on décale dragon, dragon. Et les bras, vous pensez au coup de poing. Donc, le premier coup de poing est à l'horizontale et les deux autres sont à la verticale. Pour les plus débutants, c'est pas grave si vous vous trompez. Ok, pour les plus jeunes aussi, c'est pas très grave. Pour les plus grands, on fait attention à ça. On reprend encore une fois. N'oubliez pas, pour le salut, les pieds sont collés. On salue. Point ceinture. 1. Fort le coup de poing. N'oublie pas, sinon on refait des pompes. 2. 3. Et ici, 4, avec le même bras qui vient de frapper, crochet, la jambe gauche, on la passe derrière. Et là, vous avez deviné, on va faire un coup de pied latéral après. Donc on reprend encore une fois depuis le début, on salue, coup de poing droit, on décale le pied droit, coup de poing dragon, 1, coup de poing dragon, 2, on bloque, crochet, le pied derrière, boum. Et là, coup de pied latéral. Yes. J'espère que vous vous en sortez. On va le refaire encore une fois. Je vais y aller un peu plus doucement. N'oubliez pas, faites-moi fort les coups de poing. Ok? Les trois premiers coups de poing se font normalement rapidement. C'est 1, 2, 3. Ok? Donc faites-les fort les coups de poing. On va doucement. Je compte, on salue. Point en ceinture, on n'oublie pas les pieds collés. On décale le pied droit. 1, 2, coup de poing, dragon. 3, coup de poing dragon. 4, crochet, on passe le pied gauche, on passe derrière. Et on frappe du coup avec la jambe qui est devant. Coup de pied latéral. Et on pose le pied devant en position cavalier. Ok, donc après on fait le coup de pied, position cavalier. Ok, encore une fois. Avant de le faire, pompe. Oui. Combien on en fait? Entre 5 et 10. Vous allez tous me choisir un numéro entre 5 et 10. Et vous allez me faire le nombre de pompes que vous avez choisi.
Donc, si vous avez choisi 6, vous en faites 6. Si vous avez choisi 10, 10, mais pas plus. Vous êtes prêts? Je vais choisir 9. Vous êtes prêts? Allez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrêtez-vous si vous avez choisi un plus petit nombre. Hein. 7, 8, allez, on remonte. 9, 10. Je ne fais pas la dixième. Encore une fois, on fait la forme. On salue. Commençons les pieds sur le salut. Voilà, on corrige ça. Point ceinture. 1, boum, fort le coup de poing. 2, bam, 3, bam, 4, crochet. Donc le bras ici, crochet. On passe le pied gauche derrière. Pour les plus avancés, on regarde dans la direction où on frappe. Coup de pied latéral. On pose le pied. Nickel. Encore une dernière fois, plus doucement. On fait un petit jeu et vous irez voir. Ok. On salue. 1, bam, coup de poing. Donc là, c'est l'autre bras qui frappe. Pas celui qui est déjà ici, hein, pas le bras droit. 2, coup de poing. Position dragon, plie bien la jambe de derrière. 4, 5, crochet. On passe le pied derrière. 6, coup de pied latéral. Pour ça, bien pousser, on pose. Ok, on va aller voir, petit jeu. Quel jeu on va faire? Pas homme nain géant, on va le faire après. On va faire pierre feuille ciseau. Tout le monde connaît ce jeu, très simple. La pierre bat les ciseaux. Les ciseaux battent la feuille. Et la feuille englobe la pierre. Ok. On va le faire en position pompe. C'est-à-dire qu'on va tous être en position pompe. Avec une main dans le dos. Et vous allez jouer contre moi. Donc si vous perdez, vous allez me faire deux pompes. Si c'est moi qui perds, je fais deux pompes. Vu que je vous vois pas, on va imaginer que je perds tout le temps. Oui, je sais. Je suis sûr que je vais gagner tout le temps, mais bon, on va faire comme ça. N'oubliez pas, si vous perdez, vous faites deux pompes. Si je perds, je fais deux pompes. Soyez fair play, hein, ne trichez pas. Vous faites en même temps que moi. Je dis 1, 2, 3, boum, on sort. Ok? Pierre, feuille, ciseau. On est prêt, en position, une main dans le dos. Écartez un peu les pieds au sol, comme ça vous allez mieux tenir l'équilibre. 1, 2, 3, boum, on sort. J'ai fait la pierre. Je suis sûr que j'en ai battu quelques-uns, mais j'ai fait quand même deux pompes. 1, 2, et on change de bras. On met l'autre main derrière. Je vais plutôt dire pierre, feuille, ciseau, plutôt que 1, 2, 3. Et pierre, feuille, ciseau. J'ai fait la feuille. Allez, les deux pompes pour les perdants. On touche bien le corps au sol et on remonte. Changez de bras. À chaque fois. Prêt, pierre, feuille, ciseaux. Ciseaux. Allez, les pompes. 1, 2. Bon, on va pas faire ce jeu très longtemps, sinon je vais trop musquer moi. On y va, on est prêt. Pierre, feuille, ciseaux. Ciseaux. Allez, les pompes. Et n'oubliez pas, on change de bras à chaque fois pour le pierre, feuille, ciseaux. Hein. Allez, encore, on en fait encore deux. En position, les pieds écartés si vous avez du mal à tenir. Pierre, feuille, ciseaux. Ciseaux pour moi. Allez, deux pompes. 1, 2. La prochaine, je vais faire ciseaux. Je vous annonce. Hein. Attention, préparez-moi votre pierre. Pierre, feuille, ciseaux. Feuille. Allez, deux pompes. 1, 2. On va boire rapidement. Et on refait la routine, on la termine. Allez voir. On essaie de se souvenir de ce qu'on a travaillé, la routine. Ok? Ok. En place, c'est à moi. Allez, les pieds collés, on salue. Point ceinture, on écarte les pieds. Avant de faire la suite de la routine, on va travailler un poussé. Donc, c'est quoi un poussé? C'est plutôt que de mettre un coup de poing, on va venir pousser, tout simplement, comme le nom l'indique. Les doigts collés, le pouce rentré. Pourquoi? Si le pouce est écarté, tac, vous avez une chance de vous faire très mal, de retourner le pouce. Donc on range le pouce. Pareil pour les doigts. Si les doigts sont écartés, ils sont plus fragiles, elles peuvent se retourner plus simplement. Alors que s'ils sont collés, aucun risque. Ensemble, ils sont solides. Donc, grande ceinture.
et vous venez pousser avec la paume. La paume, c'est cet espace. Ok. 1, 2, 3, plus fort. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant on va faire quoi? On va travailler le piqué. Donc, on va penser à piquer. Cette fois-ci, la main n'est pas comme ça, la main est comme ça. Donc, la paume, vous savez c'est quoi maintenant la paume? La paume face au plafond. Ok? Et les doigts collés. C'est la même chose, sauf que là, la technique est différente. On vient pas pousser ici, on vient piquer. Donc, on peut piquer au niveau du ventre, on peut piquer au niveau de la gorge. Donc, voilà, cette technique-là sert à ça. Donc, les doigts collés, le pouce rentré. Point ceinture, je compte. 1, on pique. 2, l'autre bras. 3, 4, pensez aux doigts collés. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant on va faire les deux en même temps. On est ici, on pique. On ramène les deux points en même temps. 1, on pique les deux. On ramène. 2, bam, on ramène. 3, on ramène. 4, on ramène. 5, à la ceinture. 6, 7, 8, piquez plus fort. 9, et on passe au coup de coude quand on ramène. 10, ok, très bien. Alors, pourquoi on a fait la technique de paume? Bah, tout simplement parce que j'ai pensé quand on faisait le pierre-feuille-ciseau. Ok? Vous le verrez plus tard, mais les ciseaux peuvent être une technique de kung-fu, la montre religieuse. Vous le travaillerez quand vous serez plus grand. Là, vous avez la technique de poing, la technique de feuille, donc vous avez vu, vous avez des avantages et des inconvénients. La feuille englobe le poing, donc ça peut être très bien un blocage. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. On va faire la suite de la routine, j'espère que vous vous en souvenez. Attention, on se prépare, les pieds collés, on salue, point ceinture. 1, coup de poing. 2, position dragon. 3, position dragon, on frappe avec notre bras. 4, crochet. On place le pied derrière et coup de pied latéral. On bloque, position cavalier. Et là, avec le bras qui reste, on va pousser. Et c'est quoi la position ici? Position arc et flèche. Très bien. Ok, donc on reprend à partir du coup de pied latéral. Donc on était ici. Voilà, c'était juste avant le coup de pied. On fait le coup de pied. Bam. Position, on frappe avec le bras gauche. Et on tourne. Regardez bien le bras ici, là. En crochet, il est toujours ici. La jambe tendue, le talon au sol. Pas comme la position dragon. Et là, on ramène la ceinture. La jambe qui est devant, on la lève, on pique avec les deux bras. Ah oui, on va rejoindre plein de choses qu'on a vues. Donc le genou levé, c'était quand on faisait des coups de pied droit. Donc on est ici, on ramène, on lève le genou, on pique. Encore une fois, tout depuis le début. Elle est vraiment cool cette routine, moi je la trouve vraiment sympa. On salue, pour la ceinture. 1, 2, 3, 4, on bloque, on place le pied derrière, la jambe qui est devant, coup de pied latéral, on pose, position cavalier, et là on tourne, on pousse, position arc et flèche, on ramène les mains à la ceinture, on lève le genou, on pique, c'est bon? Encore une fois, et je vais rajouter une petite fin pour les plus avancés. Pour les plus débutants, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter là. Ok? Mais pour les plus avancés, ceux qui veulent travailler un peu plus, on va faire deux mouvements en plus. Comme ça, à la fin, elle sera vraiment sympathique et voilà, on en finit pour les plus débutants et pour les plus avancés. Encore une dernière fois et je rajoute le mouvement pour les plus avancés. Vous êtes prêts? On salue. Point ceinture. 1, coup de poing. 2, 3, 4, on bloque. 5, coup de pied, on pose, je sais pas du cap, 6, on pousse, 7,
On s'arrête ici, mais pour les plus avancés, la jambe qui est levée, on recule encore, et là, on tourne, et on s'arrête ici. Ok, je vous le remontre pour les plus débutants, pour les plus avancés. Bien sûr, les plus débutants, vous pouvez le faire aussi, mais c'est un mouvement un peu plus technique. On est ici, pied derrière, on recule, et là, on tourne, bam. On refait la routine entièrement, après je vous le fais moi-même un peu plus vite, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble, et comme ça si vous-même vous pouvez le travailler, vous avez un objectif. On salue, point ceinture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on ramène, on pique, 8, pause, 9, on recule encore, 10. Allez, je le fais une fois en vitesse un peu plus réelle. Essayez de me le travailler vous-même de votre côté pendant 2-3 secondes, vous regardez-moi. Voilà à quoi ça ressemble en vitesse un peu plus réelle. On le fait encore 2-3 fois, je compte. Ensuite, je le ferai sans compter, vous essayerez de le faire en même temps que moi. Ça va être un peu plus dur en vidéo, mais on va essayer. Et on va terminer sur un dernier jeu et des étirements. On salue. Je compte. 1. Plus fort. 2. 3. 4. On bloque. 5. 6. 7. C'est la jambe de devant qui lève. 8. Tac, 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 ça c'est pour les avancées. Encore une fois, une dernière, et après vous le ferez un peu tout seul. On salue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites-le tout seul, je vais le faire aussi, vous n'en faites pas, comme ça vous pourrez regarder. Mais on essaie de faire travailler sa mémoire. Allez, go! Je fais tout doucement. Encore une fois, c'est pas très grave si vous vous souvenez pas de tout, hein. C'est normal. C'est toujours un peu plus dur, surtout en vidéo comme ça, d'accord? C'est pas très grave. Vous en faites pas, on salue. Encore une fois. Ok. Bon, l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui? Plusieurs petites choses. Déjà, on a travaillé le coup de pied latéral. C'est un coup de pied qui est très dur. C'est un des coups de pied le plus dur. Donc, c'est normal si vous avez du mal aussi à le faire. On a travaillé sur une position de plus par rapport à d'habitude, la position dragon. On a vu pousser, on a vu piquer. C'est très très bien. Je suis très content de cette séance. On va maintenant faire un petit jeu. J'avais dit qu'on ferait homme nain géant. Donc, pour ceux qui connaissent, tant mieux, on va essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui. Ok? Sans pression, bien sûr. Et pour les tout nouveaux, donc très simple, vous allez devoir faire ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire, si je dis qu'on fait homme, on se met dans cette position, la position d'un homme. Si je dis qu'on fait nain, on se met dans la position d'un nain. Donc on se fait tout petit. Un peu comme la grenouille, on se met ici. Géant, on saute. Parce que les géants sont très grands. Vous êtes prêts? Faites ce que je dis. Géant. Nain. Homme. Homme. Géant. 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 Allez, des plus grands des géants là. Géant. Nain. Nain, homme, nain, homme, nain, homme, nain, homme, géant. Ok. La même chose, je vais aller un peu plus vite. Et c'est possible que je fasse quelques pièges. Donc si par exemple je dis géant, mais que je fais un nain, il faut faire ce que je dis. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit géant, donc il faut sauter. Si vous vous trompez, les enfants, c'est deux pompes. Oui, aujourd'hui on travaille plus les pompes.
D'accord? Donc ne vous trompez pas, soyez vigilants à ce que je dis. Homme. Ça commence direct les pièges. Nain. Géant. Homme. Nain. Nain. Homme. Géant. Nain. Géant. Homme. Géant. Nain. Homme. Nain. Géant. Géant. Homme. Nain. Géant. Homme. Ok. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas tous trompés. Enfin, une dernière session. Une dernière session. On est prêt. Une dernière session. Après, on s'étire. Nain. Homme. Homme. Géant. Nain. Nain. Géant. Homme. Nain. Nain. Homme. Géant. Nain. Homme. Ok. Les nains m'ont fatigué là. Les nains m'ont fatigué mes jambes. J'espère que ça vous aura plu. On va s'étirer un petit peu. Les jambes écartées, mains devant. On descend. Ok. Les deux mains vers le pied gauche. Les deux mains. Descendez bien. Soufflez, attrapez bien votre pied, d'accord? N'attrapez pas votre jambe, essayez d'attraper votre pied. Et c'est important d'attraper avec les deux mains. On attrape l'autre pied. On attrape le pied gauche. On va écarter beaucoup plus. On descend en position de grand écart. Vous gardez les mains ici. Et on écarte plus les jambes. Et on descend. Je suis raide aujourd'hui. On descend, on maintient. Ceux qui peuvent poser les avant-bras, vous posez les avant-bras. On maintient. Encore 15 secondes cette position. On tient. J'avais dit 15 secondes, je me suis emballé là. On s'assoit par terre, les fesses en arrière. Super. Les jambes bien écartées. Ok, cette fois-ci, on va aller chercher loin avec les mains. Les mains loin devant. Encore plus loin, gardez bien les jambes tendues. Encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, on se redresse, dernier exercice, ici on va partir les mains l'une après l'autre, regardez bien, on fait 1, deuxième compte, on va mettre la main un peu plus loin, et troisième compte, la main encore plus loin, on se redresse et on fait la même chose, 1, 2, 3, on se redresse, la même chose encore une fois, 1, 2, 3, allez chercher de plus en plus loin. Plus vous allez aller loin, plus ça va tirer au niveau des jambes. C'est complètement normal, on y va. 1, 2, 3, encore plus loin. 1, 2, 3, une dernière. 1, 2, et 3. Ok, on joint les pieds comme on a fait au tout début du cours. Vous vous souvenez, on va faire le bateau, donc les jambes tendues, les pieds joints. Et on va chercher le plus loin possible. Vous êtes prêts? Et 1, plus loin encore. 2, on dépasse les pieds. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On attrape les pieds pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, ou le plus loin possible. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on se redresse. On se redresse les mains sur les hanches. On tourne, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, les pieds joints, on se penche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, on garde les pieds joints, on salue. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Dany, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à bien vous hydrater et travaillons bien cette routine. À plus.